mal assis sur le banc ferme. Nous sommes une quinzaine de parents, formés un drôle de parterre de fleurs abîmées par le temps. Certains parlent comme une concierge qui aurait vu un représentant, d'autres sont austères comme des cierges de catholiques pratiquants. On s'ennuie ferme, mais le pire de tout, c'est qu'on a mal au cul. Assis sur nos planches de fakir, on se contorsionne tant et plus. Mais on est là en rang d'oignon, un petit peu comme au purgatoire, attendant notre rejeton, salle d'attente du conservatoire. Y en a des qui souvent dissertent sur le potentiel de leurs enfants. Les surdoués sont légion, certes, quand on écoute les parents. Qu'avons-nous fait à Sainte-Cécile pour lui payer un tel tribut? Écoutez les propos stériles de tout un tas d'individus. Nous attendons nos petits Mozart partis se prendre dans les dents, les dièses, les bémols, les bécards et tout un tas d'autres accidents. C'est bien là le seul point commun que j'ai en somme avec ces gens, cette société, là je le crains, n'est pas ma cam, décidément. Entre les frères et sœurs qui braillent, dame, ils ne sont pas trop partants. Pour être parqués comme du bétail, un jour de marché paysan. Mal assis sur nos bancs fers, nous sommes bon nombre de parents à former un drôle de parterre de fleurs qu'on arrose pas souvent.